Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau profilement vôtre qui va encore être riche d'informations relatives à tout ce qui se passe autour toujours de cette notion d'Ukraine. C'est le premier point sur lequel je souhaite démarrer cette émission. Alors, je vais parler un petit peu de mon analyse au regard de ce qui se passe autour de nous. Des comportements, la réaction des gens, des réflexions sur tout ce qui est relatif et lié à autour de l'Ukraine. Bref, je ne suis pas géopoliticienne, je n'ai pas du tout la prétention de l'être et de prendre la place de tous ces brillants géopoliticiens qui parlent très bien aussi. Mais le comportemental fait partie de notre vie, même si c'est beaucoup trop occulté, comme vous le savez déjà. Et c'est toujours bon d'observer un petit peu le comportement des gens, comment ça se passe, qu'est-ce qui se dit, comment ils réagissent, ils agissent, ils interagissent entre eux, afin de voir si finalement ça match ou ça match pas, puisqu'on sait que le corps ne ment jamais. Il y a ce que les politiques disent, il y a ce que des gens disent de droite et de gauche, les mainstream, les militaires, la défense, les géopoliticiens et ainsi de suite. Et puis il y a le terrain. Et moi, c'est la zone que je préfère, c'est l'univers que je côtoie le plus, et qui me fait douter d'un ensemble de choses en réalité. Alors, peu de gens veulent faire la guerre. C'est un postulat, c'est même un constat que l'on observe au travers le monde avec toutes ces actions, coups de poing parfois manipulés pour beaucoup, certainement comme les étudiants. J'imagine que derrière il y a beaucoup de manipulations, un peu comme mai 68. Mais globalement, il est mis en évidence que les gens ne veulent pas de la guerre et prennent position pour finalement certains peuples qui mériteraient d'être un peu plus observés que d'autres. Ceci étant dit, aucune guerre n'est bonne et aucune guerre n'est désirable. Mais c'est ce que l'on observe, que les gens n'ont pas du tout envie d'aller en guerre. Ceci étant dit, on a mis en place une population pacifiste. Nous sommes quand même un peuple relativement pacifiste, contrairement à certaines idées préconçues, même si on est capable de faire des belles révolutions et certaines guerres. Et globalement, on a un petit peu limité les potentiels masculins de façon à les rendre moins virils, entre guillemets, donc moins belligérants, quelque part aussi. Parce qu'une virilité, c'est un petit peu plus... ça fait pas forcément un belligérant, un homme viril. Mais disons qu'il y a un petit peu plus de côté défensif, de côté sortir la boîte à baf, je dirais, que quelqu'un qui est beaucoup moins viril. C'est souvent le cas. Je pense que vous l'avez constaté. Donc on constate cela. Ça, c'est le premier point, c'est que les gens n'ont pas envie d'aller en guerre. Et je pense que même des pro-ukrainiens verraient d'un mauvais œil que leur enfant parte à la guerre. Sauf certains cas, on y reviendra tout à l'heure. Le recrutement, il n'a pas l'air de bien vraiment fonctionner, il a l'air d'être relativement faible et surtout il est de très basse qualité. Donc à partir du moment où il est de très basse qualité, la formation ne va pas donner de bons résultats, ne peut suffire qu'à faire de la présence sur le terrain en disant il y a des hommes. Mais s'ils ne sont pas qualifiés et pas formés, ça va faire les Romains face à Obélix et les Astérix, hein. On va vraiment aller là-dedans. Hein. Et c'est le cas, c'est exactement le cas. Donc, ce qui sous-entend encore une fois qu'on est sur de la chair à canon. On revient à ce que je disais dans la dernière émission, je crois, ou d'autres. À côté de cela, tout ce qui est financier, au niveau français, j'entends bien au niveau français uniquement, il n'y a quasiment rien. On n'a pas vraiment de moyens, on n'a pas la capacité de faire des usines à armement à fond la caisse, pas en France, ou en tout cas pas à ma connaissance, mais de ce que je sais, non. On est toujours avec la capacité de pouvoir se défendre en 2 jours. Si on se fait attaquer, ainsi que je le disais dans le dernier profil en vôtre, si on se fait attaquer, il y a que, enfin c'est pas le dernier, c'est plusieurs profils en vôtre, si on se fait attaquer, nous n'avons pas la possibilité de résister. Sachant que oui, dans le dernier profil en vôtre, je disais que de par le fait de demander l'armée polonaise de soutenir la défense lors des JO à Paris, met en évidence que en fait le pays est à poil, hein. On peut l'envahir, il est complètement à poil. Mais c'est une vérité. Le pire, c'est que c'est une vérité. On n'a aucun moyen de se défendre, à part les gens chez eux, avec leurs fourches, leurs outils de jardin, je ne sais quoi. C'est quasiment la seule possibilité de se défendre. Je ne parle pas des chasseurs. Hein. La chasse, ce serait une autre chasse dans ce cas-là.
Celle-là, elle n'est pas encore ouverte. Donc, ce serait une autre chasse. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'on est, on est à la merci de n'importe quelle invasion. On est vraiment à la merci. Donc, il n'y a pas de moyens. Parce qu'il faut des moyens, il faut des formations, il faut des moyens, il faut payer tout ça. Il n'y en a pas. Alors, en revanche, là où il y a des moyens, c'est sur des structures qui ne sont plus françaises, pas ou plus françaises, de défense, comme Eugène Faure et d'autres éléments de droite et de gauche que l'on peut voir ou pas voir, ou ne surtout pas savoir, et ne surtout pas être informé, c'est encore mieux. Et ça, il y en a un petit peu partout. Et là, oui, là, les moyens sont mis là. C'est là qu'ils sont mis. Donc la question se pose, c'est pourquoi on va donner des moyens pour des unités dites européennes ou que sais-je, mais pas françaises. Alors, ça répond au dessein de Macouille de faire en sorte que nous ne soyons qu'une fédération parmi l'Europe, comme les États-Unis, ce que serait une grave erreur, puisque c'est leur souhait depuis un bon moment, donc leur souhait probablement même validé de leur côté, qu'il faudra faire casser bien évidemment. Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est congruent, comme on dit dans notre métier, c'est totalement congruent, de donner les moyens à tout ce qui est lié à l'Europe et plus ce qui est lié aux Français. Ça paraît logique. Mais ça sous-entend, là encore une fois, que ce sont des unités dites européennes, donc qui intègrent un ensemble de pays européens. La logique voudrait cela, dire qu'il y a X pourcentage, au prorata peut-être des habitants ou de la quantité de défense, qui intègrent ces forces-là. Et idem pour les finances et ainsi de suite. Je sais pas si Eugène Faure, ils font venir des Français en France pour taper sur les leurs. Je ne sais pas. On sait qu'on entend parler étrangers, mais on ne sait pas si ça, c'est... On n'a pas forcément entendu parler français. Il y en a peut-être ou pas, je ne sais pas. J'en sais rien. En tout cas, il y a beaucoup d'unités secrètes. Il y en avait déjà en France qui pouvaient opérer de droite et de gauche, dont on voit aucun élément nulle part, même dans des films, rien du tout, sauf si dans certains films qui font passer américains. Ça existe vraiment, hein, ça existait déjà avant sous couverture drapeau français, mais peut-être que ce n'est plus sous couverture de drapeau français. Peut-être de l'OTAN, puisqu'on voit beaucoup de véhicules de l'OTAN traîner à droite à gauche, puisqu'ils ont investi l'Élysée, donc pourquoi pas. À mon avis, ça doit être ça, l'OTAN, l'Europe, je sais pas, il y a un truc qui ne doit pas être clair là-dessous. Toujours est-il, dans les comportements des gens, c'est qu'ils ont compris qu'il n'y a plus de protection des peuples. Il n'y en a plus. Que ce soit du gendarme, que ce soit du policier, que ce soit du militaire, il n'y en a plus. On ne peut plus compter sur eux. Je parle de ceux qui sont en action au service et qui sont soit solidaire de la Macronie, soit prisonnier, comme nous, de la Macronie. Mais en action, donc, c'est verrouillé. On sait qu'on ne peut pas compter sur eux d'une manière ou d'une autre. Ce qui peut réintégrer une période western. Ça risque d'arriver. Ça, c'est un risque. C'est un risque très sérieux, puisque les gens ne peuvent plus obtenir gain de cause d'une manière ou d'une autre, que ce soit et par la justice, qui est le deuxième point, c'est qu'ils savent qu'il n'y a plus de justice non plus, et par la défense physique en cas d'agression ou quoi que ce soit. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intervention sur les cambriolages, sur des affaires d'homicide ou d'assassinat, etc., etc. C'est pas ce que je veux dire. Mais globalement derrière, il n'y a pas une vraie... c'est pas un pays où on se sent en sécurité. D'ailleurs, les chiffres sont sortis il n'y a pas longtemps, les vols à main armée, je crois qu'on est dans les premiers. Donc, faut bien qu'on soit premier quelque part, mais c'est jamais dans le bon sens depuis quelques années. Il va falloir qu'on inverse la courbe, hein. Ce serait bien, mais ça va venir. Je ne sais pas quand, mais ça va venir. Toujours est-il, c'est que le citoyen le sait. Le citoyen est conscient de ça. Il sait qu'il ne peut plus compter sur son pays, qui est de toute façon, il n'y a plus de France, hein, dans le sens propre du terme, elle n'existe plus, la France. Il ne peut compter que sur des résistants. Et les résistants se tirent entre les pattes. Ils n'arrivent pas à s'unir, comme à la Seconde Guerre mondiale, c'est pareil. Ainsi, du reste, Jean Moulin a été détruit de cette manière-là parce qu'on savait que c'était lui qui risquait de prendre le pouvoir en France. Moi, j'avais dans les mains un livre qui parlait de Mitterrand et d'Enfer, dont l'un se faisait passer pour un collabo, un résistant, pardon, qui était d'Enfer, sous le nom de Danvers. Bon, ce livre a disparu de la publication.
Donc il y a des gens qui se tirent dans les pattes volontairement pour des raisons d'ego, uniquement d'ego. Et c'est encore le cas, c'est toujours le cas. Regardez qui est mis en avant, qui n'est pas mis en avant, et pourquoi et comment. Réfléchissez, vous trouverez vous-même les réponses. Vous les trouverez. Donc il y a des vrais résistants, des vrais de vrais, dont je sais je suis, dont je sais que je suis reconnue en tant que telle. Mais je suis pas la seule, heureusement, ce serait grave, qui œuvrent comme ils peuvent pour ce pays, pour retrouver notre France. Et on a le droit de retrouver notre France. Nous, on ne veut pas de macronisme, pas un État. Nous, l'idéologie, on n'en a rien à foutre. De toute façon, les idéologies, c'est toujours éphémère. On s'en fout de ça, on n'en veut pas. Il a qu'à garder son truc, créer son État lui-même et puis ne plus nous emmerder, quoi. Qui je sais pas, il pique un endroit, on lui laisse même Paris s'il veut, de toute façon, vu dans l'état où c'est, on s'en fout, quoi. À la limite, il fait son petit état là, il fait son petit bordel là, et puis c'est tout. À la limite, voilà, où il se trouve un autre pays, un autre endroit, ou qu'il le conquiert lui-même avec ses petites armées, hein, mais pas en le volant par des élections truquées. Ça fait longtemps qu'on le dit, il y a des gens qui s'offusquent aujourd'hui. Quoi, les élections étaient truquées? Oui, les deux de ma couille. Alors les autres d'avant, il y avait déjà des trucages. Mais alors, les deux de ma couille, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Donc, pas de protection, pas de défense, pas de justice. Les gens l'ont compris. Donc, du coup, on fait quoi? On se retourne vers qui? On fait comment? On va vers qui? Comment on se défend? Comment on sera défendu? Comment on sera protégé? Ah oui, non, non, les résistants. Bah, pas tous, non, pas tous. Pas tous. Et puis, les résistants qui résistent vraiment, qui sont vraiment fiables, on fait avec nos moyens aussi. On fait avec nos moyens. Ils sont pour le moment assez limités. Mais plus on sera nombreux, plus on y arrivera. Des vrais, hein, résistants, pas des faux. Non, parce que, je réitère, il y en a qui le croient être résistants depuis la naissance du SARS-CoV-2, du Covid-19. Juste qu'il y a des gens qui œuvrent depuis très longtemps, dont je suis. Il y avait longtemps, nous. Et on ne nous croyait pas, on ne nous entendait pas, on s'en fichait, nous. Enfin, on n'était rien. Mais on existait avant. Et il y a quelques-uns, il y en a quelques-uns, il y en a qui sont encore en vie. La façon dont on est traité aujourd'hui, donc c'est les valeurs inversées comme la plupart des gens disent, mais mettent bien en évidence que tout est fait pour détruire. Détruire tout ce qui est mis en place. Y compris détruire physiquement. Et tout est mis en dessin pour détruire physiquement. Je vais encore en parler dans ce profilement vôtre avec d'autres exemples, des nouveaux exemples. Donc, il faut apprendre à se protéger. Ce, soi et les siens. Il faut apprendre absolument à se protéger. Alors, se protéger n'est pas aussi évident que cela dans la mesure où, encore une fois, on fait avec nos moyens. Beaucoup de gens sont isolés. Il faut donc qu'ils se réunissent et qu'ils s'unissent. Réunir, c'est une chose, c'est assez facile. Mais s'unir, c'est compliqué. Parce qu'il faut accepter les divergences, il faut accepter les différences, il faut accepter des éléments que l'on pourrait ne pas apprécier, ne pas être en accord avec, et ainsi de suite, qui fait que à un moment donné, les gens se disent « Oh non, non, là, cette personne a dit ça, je rejette. » Oui, mais vous n'êtes pas plus parfait que les autres. Il faut l'accepter. Il faut accepter que chacun fait son chemin, avance en fonction de cela. D'accord ? Donc, comme ils savent qu'ils ne sont pas protégés, qu'ils sont un petit peu autonomes dans leur coin à essayer de se défendre, ils se posent la question de pourquoi on irait se battre dans un pays dans lequel, finalement, on n'est pas concerné. L'Ukraine, c'est loin. Pour ceux qui ont compris, ce sont les nazis. Donc, on est encore moins concernés puisque on a lutté contre les nazis nous-mêmes à la Seconde Guerre mondiale. Pour ceux qui étaient ouvertement officialisés, hein, parce qu'il y en a encore. Qu'est-ce qu'on irait foutre là-bas? Donc, on n'est pas protégé chez nous, mais on va aller défendre un autre pays. Incongruent, là encore. Vous voyez le truc, c'est la mécanique, voilà. Et ça, c'est dans la tête de beaucoup de gens, quand même, mine de rien. C'est que nous, on peut pas trop se défendre chez nous, on sait pas comment se défendre. Alors, vous avez les bobos, bisounours, les trucs comme ça qui... Ah, si, non, mais nous, ça va encore en France. C'est vrai, d'ailleurs. Ça va encore. Ça descend gravement, mais ça va encore. Et tant que ça va encore, les gens ne seront pas dans la rue. Ça ne va pas tarder. Parce que ça va vraiment mal. Et ça va pas tarder.
Donc, moi, j'ai un sentiment de deux poids, deux mesures, où derrière, il y a ma couille qui met en avant, il faut qu'on envoie des hommes en Ukraine, ce qui est déjà le fait, hein. Donc, il y a une bonne partie qui ont été liquidées, hein. Les images ont été d'ailleurs envoyées par les Russes, ils se sont fait plaisir de le dire, ils ont tenu parole, mais au moins ils ont prévenu. Dommage pour les familles. Mais c'est pareil pour tous les autres pays, hein. Ceci étant dit, c'est toujours dommage une guerre. Bon, enfin, personnellement, je crois qu'on peut toujours essayer de trouver des arrangements plutôt que de se foutre des pâtés. Et surtout quand on n'est pas chez soi. On se fait envahir, on se défend. C'est un autre pays qui se fait envahir. De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? À un moment donné, on peut prendre position, on peut essayer d'aider, on peut surtout être médiateur pour mettre les choses à plat. À mon avis, c'est plus juste, c'est plus. Mais on n'a pas à se mêler, c'est comme les gens qui se mêlent de ce qui se passe chez les voisins, de quoi je me. Enfin, voilà. Sauf s'il y a de danger, toujours pareil. Là, s'il y a danger, on peut se permettre de dire où il y a peut-être quelque chose, etc. Mais il faut qu'on ait les preuves, parce qu'il y en a beaucoup qui vont mettre en évidence des éléments qui se passent chez le voisin. Et en fait, ce sont des mauvaises interprétations. Et les gens se retrouvent dans des situations critiques. J'en ai été victime, d'autres aussi, pas forcément par des voisins, du reste. C'est juste pénible, quoi. C'est franchement pénible. Donc, non. Avant de prendre position et de faire de la délation, vérifiez que vous ayez des preuves, des vraies preuves, pas des apparences. À défaut, vous dites, j'ai vu ceci, mais je ne sais pas si c'est juste ou pas. C'est peut-être une mauvaise interprétation. Bon, ceci étant dit, parfois, quand on voit plusieurs choses, pareil, les forces de l'ordre, ils font rien. Si la personne a vraiment disparu, etc., puis on la retrouve décédée. Il y a à boire et à manger des deux côtés. Mais ça ne veut pas dire que les forces de l'ordre sont tous mauvais, encore une fois. Hein. Je réitère, hein. Je vous dis, il y en a plein qui sont au contraire bons et brillants, mais cloisonnés, encarqués même. Donc, se vouloir mettre encore en évidence, il faut que j'aille défendre un homme que j'aime plus que tout, pour ainsi dire, que Zelensky, ainsi que je le disais dans une de mes vidéos, parce qu'on a vraiment le sentiment de cela. On sent qu'il y a derrière beaucoup moins d'appui pour mettre des armes en Ukraine. Mais il est probable, à mon avis, que comme il y en avait déjà, et pas que français, sur place, ils en ont peut-être marre de ramener des cercueils cachés. Hein. Mais ils en ont peut-être marre. Ils sont peut-être en train de se dire, faut arrêter les conneries parce qu'on a vraiment l'ours russe en face. Enfin, je veux dire, franchement, il y a un truc, moi, qui m'interpelle. Mais vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Les gens qui agressent des personnes qui savent qu'ils sont plus forts qu'eux. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Déjà, agresser quelqu'un, ça sert à rien. Mais si tu veux en découdre avec quelqu'un, si tu sais que t'as pas les moyens de le faire, pourquoi t'y vas? C'est de l'ego, mais incommensurable à ce niveau-là. C'est un ego énorme, énorme. Qui peut aller combattre contre un ancien du KGB, brillant, qui était brillantissime. Mais franchement, c'est là où on voit que les gens ne sont pas du tout au courant comment fonctionne la défense. Sachant qu'il y a beaucoup de corrompus et là, pareil, à boire et à manger. Hein. Attention, c'est toujours pareil. Hein. Et qui sont parfois cul et chemise pour des trucs et puis après ils vont se péter le nez. Hein. Il y a ça aussi, il y a de tout. Bon. Mais globalement, l'entraînement, la connaissance, le savoir, surtout. Le mec derrière, il va quand même l'attaquer. L'autre, il a même pas fait l'armée. L'autre, là, la petite fiotte, là. Oui, je vais m'en prendre à Vladimir Poutine. Parce que mon chéri talon aiguille, alors je précise Zelensky, puisque dans l'ancienne vidéo, ceux qui ne me suivent pas depuis longtemps ne savent pas que talon aiguille, c'est Zelensky, c'est en rapport à une vidéo où il était en latex avec des talons aiguilles, quand il était artiste avant d'être nommé président par je ne sais quelle raison et moyen, mais certainement pas l'ego. Donc voilà, on a ma couille qui va défendre talon aiguille et, contre l'ours. Attends, mais c'est ubuesque, mais c'est ubuesque. Il y a même, faudrait inventer un mot là. Faudrait inventer. Comment peut-on comparer à Napoléon? J'ai fait une vidéo juste avant que j'ai postée. À vous de la regarder. Là, c'est de l'incultisme. Comparer Macron à Napoléon, c'est. Je veux dire. Qu'est-ce que je peux faire comme parallèle? C'est comparer Claire Sévrac à Hitler, par exemple. Voilà. Non, là, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. On est tombé dans une débilité. Mais je ne sais même pas comment les gens peuvent pas ouvrir plus vite les yeux, tellement ça devient ignare. Et là encore, le mot est faible. Mais à un point, quand même. Et il y a des gens qui y croient et qui alimentent ça en disant « Oui, moi, je suis un éveillé. » Non, 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 va t'instruire, mets un peu de BEPC dans ton cerveau et ça ira mieux, hein, après.
puis aussi de mettre en action la cervelle, justement, les cervelles, pour avoir un petit peu d'intelligence. Au pluriel, intelligence, puisque nous en avons plusieurs. Donc, il y a deux poids, deux mesures. Alors, est-ce que c'est pour encore montrer publiquement le soutien à son chéri, talon aiguille, que Mako y fait ça? C'est une question. Je suis là, mais je peux plus rien faire, parce que là, concrètement, entre le financier, les tollés qui se prennent en Ukraine, où là, franchement, c'est quasiment plié. Pourquoi c'est long? Vladimir Poutine l'a dit, il fait attention aux civils. Enfin, c'est pas lui d'ailleurs, c'est un de ses proches qui l'a dit, mais il a dû le dire aussi. Ils font attention aux civils. Forcément, c'est plus long. Forcément. Parce que les civils, ils sont pour rien, eux. Et la plupart du temps, ils sont côté russe, les civils. Ils se barrent tous. Ils préfèrent mourir que de se faire happer par l'armée. Non, mais attends. Après, on va nous faire croire que tout se passe bien en Ukraine, ça va bien, mais il y a des gens qui ont vu ça, quand même. Je l'espère. Alors, je parle pas des mainstream, de toute façon, je les regarde pas. Mais il y a des gens qui ont vu ça, quand même. Ils préfèrent se faire happer, mourir, se tuer en traversant un fleuve, je crois, ou des frontières, de façon risquée pour leur vie, que de se faire happer dans la rue. On appelle ça un recrutement. Hein. Ils les chopent dans la rue, ils les mettent dans des fourgons, allez, vas-y. Ils regardent le physique, tout, vas-y. Et maintenant, ils s'en prennent aux Ukrainiens qui ont quitté le pays, qui ont fait leur vie dans un autre pays, parce qu'ils ne reviennent pas pour combattre pour le pays. Chair à canon. C'est clair de chez clair. Donc, qui peut croire qu'on va aller en Ukraine combattre contre les Russes, alors qu'en réalité, c'est pour avoir des hommes et des femmes, et on y reviendra encore plus tard, de façon à avoir plus de volume face aux Russes pour les contrer. Ça fera plus de morts. Ah bah dis donc, les pompes funèbres, là, ça doit... Entre le Covid et l'Ukraine, ça doit y aller, hein. Franchement, là, ceux qui cherchent du boulot, moi, je serais eux, j'irai dans les pompes funèbres. Côté funéraire, ça doit y aller à donf, hein, depuis le Raskov 2, là. Alors là, franchement, cherchez plus de boulot, hein, allez-y, hein, parce que, à mon avis. Donc, continuer la guerre en Ukraine, je me pose une autre question. Parce que le freluquet, là, qui soutient sa chair et tendre de Zelensky, franchement, quand on voit l'économie russe, comment elle explose depuis à peu près 2 ans, surtout, moi, je suis en train de me demander si finalement, il ne fait pas le jeu des Russes. À vouloir continuer à faire cette guerre, parce que il est, comment dire, ouais, il a des sentiments, quoi, pour Zelensky. Il y a quelque chose de fort, ce que j'ai dit dans mon ancien profil Mon Ventre. Il y a quelque chose avec lui. Mais, je veux bien, mais à un moment donné, il faut être réaliste, quoi. Donc, ça se voit maintenant. C'est flagrant que la Russie explose. Et donc, cette guerre fait le jeu de la Russie. Profite à la Russie. Bon, Nono Le Maire, ça fait longtemps qu'il est coucouche panier, lui. Hein. En plus, là, il s'est tapé un cycliste. Bon, coucouche panier, lui, hein, on a compris. Même Poutine n'a même pas répondu à son semi-appel de guerre en disant qu'on va les détruire, on va mettre l'économie à genoux et tout. Bon, lui, c'est même pas la peine de faire un profilage ou quoi que ce soit sur ce type-là, tellement c'est creux. Mais clairement, s'il continue cette guerre en Ukraine, il favorise l'économie russe. Donc, quand je vous dis double jeu, moi je me pose des questions. Qu'est-ce qu'il préparerait derrière pour avoir une espèce d'alliance ou association avec avec la Russie, sous couvert d'un autre chef d'État, plus souple, plus doux, un peu comme ils ont fait. Je vous ai fait les analyses un peu des ministres entre Borne, je crois que c'est Attal maintenant, je ne suis rien tout ça. Donc, j'ai fait toutes ces analyses-là. Ben là, dans la continuité, est-ce qu'on serait pas dans cette même continuité de la préparation de l'après-Makoui? Avec quelqu'un qui, oui, non, finalement, on a trouvé un arrangement, l'Ukraine n'est plus en guerre, blablabla, et on va travailler avec la Russie, vu qu'économiquement, il tient quand même bien la route, et reprofiter de ce système après-derrière. Je pose la question. Je vous ai dit, je suis pas une géopoliticienne. J'analyse, c'est tout, des choses, j'observe, je regarde, je me dis quand même, quand on sait que l'économie russe publiquement est mise en évidence, même dans les dossiers, dans les médias mainstream, qu'ils explosent du fait notamment de la guerre en Ukraine,
que ça profite avec tout ce que Poutine a fait. Déjà, ça n'arrête pas de monter depuis Poutine, mais alors là, ça a pris encore plus d'ampleur. On veut continuer cette guerre en Ukraine. Pour qui joue-t-on? Dans quel cours on est? Et enfin, c'est valable aussi pour Biden, hein. J'en lis mes notes en même temps, parce que lui aussi, il les cherche à pousser un petit peu, mais c'est quand même, comme l'a dit Macouille, hein, c'est lui qui finalement met plus en évidence le soutien à talon aiguille que même Biden, hein, même les États-Unis. Hein. De toute façon, ils ont tellement de casseroles au fer en ce moment dans leur pays, dans leur... Aux États-Unis, ça sort de tous les côtés. Là, ça fusille de partout. Ils ont tellement de casseroles aux fesses que je crois que là, ils savent plus donner de la tête. Hein. Ou donner de la tête, pardon. Macron aurait dit, qui plus est, j'ai vu ça passer. Hein. Je ne l'ai pas vu dans une dans un extrait de journal, mais je l'ai vu passer. Que la population peut être éradiquée de façon brutale. Sans blague. Non, ça j'aurais jamais cru, non. Ben, je sais pas, avec tout ce qu'on se prend sur la tronche depuis quelques temps, quand on voit Maui, si je me rappelle bien le nom des îles, ou d'autres endroits, même tout ce qui est climatique, etc. Ben, ça alors. Mais le fait qu'ils le disent, c'est qu'il est drôlement bien enquiquiné de ne pas avoir le dessus, comme ses chefs lui ont demandé. Il ne pourra jamais avoir le dessus. Parce qu'il y a toujours des gens qui réfléchissent, il y a toujours des gens intelligents, des gens qui travaillent, des gens qui en ont là, et puis là, au niveau du cœur, vous voyez pas, mais l'émotionnel. Voilà, donc ça, il ne pouvait pas faire. Donc ça veut dire quelque part que il pourrait chercher à ce qu'on éradique une bonne zone, une bonne fois pour toutes, pour semer encore plus la peur. Vas-y, mec, il y a des gens qui n'auront pas peur. On sait tous qu'on doit mourir un jour. Et je vais y revenir après. Mais c'est que l'enveloppe sexuée charnée qui meurt. C'est que ça. Et il y aura toujours d'autres pour relever. Ça a toujours été. Et ce sera toujours. Toujours été comme ça. Le mal ne gagne jamais. Il fait du mal, mais il permet de voir là où est mieux le mieux du bien que l'on doit justement améliorer, construire et mettre en place. Mais s'il a dit cette phrase, et que cette phrase est quand même très importante, c'est que déjà il veut continuer à semer la peur. Et je pense que c'est surtout qu'il y a bien réfléchi. Mais nous aussi, on le sait parce qu'on l'a compris depuis un moment. Ça fait un moment qu'on comprend qu'il veut nous quick. Mais pas un problème, ça. C'est pas un problème. Puisque de toute façon, on le sait. Et on sait qu'un jour, on devra mourir. C'est comme ça. La naissance, la mort. Voilà, c'est parti. De notre vie sur cet espace-terre, dans une enveloppe sexuée et charnée. Et pas la méconscience. Donc à suivre, parce que c'est quand même des épisodes assez intéressants, j'estime, qu'il faut, à mon sens, suivre. C'est une idée que je souhaite voir. Enfin, on verra pour le prochain profil en vôtre. Hein. Bon, il y a des invités hein, qui vont intervenir dans mes prochains profils en vôtre, avec quelques surprises. J'ai aussi quelques émissions que je vais faire en interview pour d'autres personnes. Et surprises à venir. Mais à voir, on va voir. Moi, je suis un peu le mouvement et je regarde un peu ce qui se passe et surtout, j'analyse. Ça m'intéresse toujours de voir un peu comment les gens ils évoluent par rapport à ça. Le deuxième point, je vais parler des sables du Sahara. Du sable, enfin des grains de sable. Les tempêtes, il y en a eu deux vagues, je crois, qui se sont produites il y a, je crois que c'est fin avril de mémoire. Enfin, il n'y a pas longtemps. Et... j'ai été interpellée parce que moi je l'ai vécu en vacances en Crète avec mes enfants il y a très longtemps. C'est la première fois que j'emmenais mes enfants en avion après la mort de leur père, il y a très longtemps, puisqu'il est décédé il y a 23 ans, donc ça doit faire 21 ans à peu près. Les enfants étaient encore petits, mon fils n'avait pas 10 ans, donc oui, ça fait 21 ans. Et mon fils est né. Et donc on était. Il prenait pour la première fois l'avion. Et n'ayant pas beaucoup de moyens, j'ai pris le premier voyage discount, vous n'êtes pas encore très chaud, pour que mes enfants découvrent l'avion et un autre pays. Ça leur sorte un peu de ce deuil. Et donc, il y avait une tempête de sable, où en effet, on a vu tout jaune. Bah alors tout jaune, tout était jaune. Tu mettais les lunettes de soleil, tu les enlevais, c'était pas la même couleur, mais c'était jaune. Jaune de chez jaune. Assez impressionnant, parce que je crois qu'il y avait eu le tsunami, quelque chose comme ça.
Il y avait un tsunami à Phuket qui s'était provoqué, mais je crois que c'était dans ces périodes-là, si je ne m'abuse encore une fois. Et donc ça impressionnait beaucoup les touristes qui étaient en Crète, mais pas les Crétois. Ils avaient l'habitude. Et c'était jaune, mais vraiment jaune. Un jaune, pas un jaune poussin, un jaune légèrement orangé, mais ça a duré, je ne sais pas, un certain temps, je ne sais pas exactement, parce qu'après on est resté à l'hôtel. Mais concrètement, c'est assez impressionnant. Franchement, c'est assez impressionnant. En plus, il y a intérêt à porter des lunettes parce que ça pique, le sable forcément. Et les couleurs que l'on a vues dernièrement sur des vidéos, à moins qu'elles aient été truquées, apparaissaient plus orange que jaune. De ce que j'ai en souvenir, c'était orange limite sanguin, vous savez, un côté un peu rouge, légèrement rouge. On a vu également un avocat dont j'ai oublié le nom, qui est, je crois, en Bosnie-Herzégovine, qui a fait analyser le sable et ils ont trouvé des particules aimantées, entre autres, dans ce sable. Bref, un ensemble d'éléments dont je n'ai pas retenu les noms, mais c'est un très beau travail qui a été fait, où il interpelle donc les personnes pour voir quelles sont les incidences que ça peut procurer, notamment au niveau du vivant. Dans quel but ont-ils fait cela? Enfin, il a fait un super bon boulot, cet avocat. Pour une fois que je vois un avocat qui fait vraiment un bon boulot, ça fait super plaisir. Je dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, mais lui, il a fait vraiment un bon boulot. J'ai contacté deux médecins. Je leur ai posé la question parce que moi, médical, c'est pas mon truc. La première chose qu'ils m'ont dit, c'est tout ce que l'on inhale dans l'organisme a un effet toujours plus fort. Par exemple, les drogues, par exemple, enfin tout ce qu'on inhale, quoi, tout ce qu'on respire, c'est un effet plus fort au niveau de l'organisme. Déjà, premier point. Donc, c'est volontaire, ce sable du Sahara tel qu'il est. Donc, ces personnes-là ont eu des patients et ont clairement dit que c'est un empoisonnement, tel que l'évoquait Claire Sévrac. Décidément, on en parle souvent de Claire, hein. C'est marrant comme elle est toujours là, et elle restera, je pense, toujours là. À petit feu, c'est un empoisonnement à petit feu, mais un véritable empoisonnement. Donc les effets possibles que j'ai notés, je vais vous les lire, puisque je réitère, je ne suis pas qualifiée pour être médecin, je vais vous lire ce qu'elles m'ont dit. Les effets possibles à haute dose sont le cancer, la neurotoxicité, les systèmes hormonaux. Mais chez l'épicousé, et ses clients ont eu, pardon, ses médecins ont eu des patients épicousés, ils ont évoqué quelque chose de plus fort, plus puissant, quelque chose de plus exacerbé en termes de pathologie. Ce qui paraît logique face aux métaux lourds. J'ai une question à poser, une question qu'on se pose tous, c'est les pourritures qui font ça, qui envoient ça, les pourritures qui acceptent de nous envoyer ça, à qui vivent dans le Sahara, là, hein, ceux qui vivent là-bas. Vous avez les antidotes? Est-ce que vous avez les antidotes? J'imagine que oui. Parce que vous vivez dans le même monde que nous, vous ne pouvez pas toujours vous mettre à droite, à gauche, à vous planquer. Bon, les programmes, ça c'est autre chose, mais les humains, où sont les antidotes? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous portez? Comment vous réagissez face à cela? Vous envoyez vos familles à Tatazou et les oies de façon à ce qu'ils soient protégés? Vous faites quoi? Et au-delà de ça, on va pousser la réflexion un petit peu plus loin. Parce que moi, je me suis posé cette réflexion. En parallèle, on voit tout le temps des réactions et des actions de tout un ensemble d'éléments qui sont postés autour du médical, ce qu'on met toujours en avant partout. C'est ce qui est le plus mis en avant, c'est ce qui est le plus bataillé, surtout depuis le SARS-CoV-2. Toujours ce médical, tout le temps, tout le temps, tout le temps, de façon redondante, à ressasser toujours les mêmes choses, à révéler, ah bah oui, ça y est, on a dit ceci, on a dit cela. Oui, mais on le sait déjà, c'est bon, ça a déjà été dit. Et ça y va, à fond la caisse, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sur quasiment tous les canaux. Tous les réseaux sociaux, dans quasiment toutes les vidéos, ça part tout le temps. Ok, super. Bon, là, moi, le sable du Sahara, j'en parle parce que là, c'est quand même un élément
qui était pas qui est censé être exceptionnel et qui ne sera, j'espère, justement pas à grandeur exponentielle à suivre. Je pense qu'ils vont nous en faire d'autres, hein, de toute façon, puisqu'ils veulent nous éradiquer. On va reprendre le mot de Makoui, qui n'est pas le sien d'ailleurs, puisqu'on le dit depuis un moment. Qu'est-ce qu'on fait des soins de l'âme et de la conscience? C'est des fois des sujets que l'on a avec mes clients en coaching. C'est des sujets que l'on met en avant. C'est qu'en fait, la prise de conscience de travailler sur soi, véritablement, de mettre en exergue ce qui est bon, tous les moyens, tout ce qu'il faut pour qu'on développe notre âme et conscience, qu'on nettoie tout l'émotionnel et nos traumas, nos croyances, nos divergences, nos cultures, parfois même des cultures dites imposées, comme remettre en cause l'histoire, comme tout, en fait, tout en fait partie, qui est un travail de tous les jours, pour tout le monde, pour tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Qu'est-ce qu'on met en évidence là-dessus? Je pose la question. Il n'y a pas tant que ça. Beaucoup le croient, et en fait non. Beaucoup le pensent, et en fait non. On le saura dans 4 ans. Ce sont les plus éveillés qui resteront. Ce sont ceux qui ne seront pas 3 et 4D qui resteront. Troisième et quatrième densité pour ceux qui ne suivent pas. Ce sont ceux-là qui resteront. D'après tous les énergéticiens, 4 ans. Certains disent 2. Je reste sur 4, comme je l'ai dit dans toutes mes autres émissions. C'est là qu'on le verra, si vous et moi, nous serons encore là. Moi, j'en sais rien. On verra bien. Et ça ne nous pose pas de problème. Mais qui travaille vraiment dessus? Il n'y en a pas tant que ça. Par contre, j'en suis. Ça, il y a une chose qui est sûre, c'est que j'en suis. J'apprends. J'apprends tout le temps. Je cherche à m'élever, à augmenter mes potentiels, etc. J'apprends. Et beaucoup de gens pensent apprendre. Beaucoup de gens pensent l'être. Éveillé. Et ils misent plus sur leur santé corporelle que sur leur santé âme et conscience, même s'il y a des liens. Ça, c'est clair qu'il y a des liens. Donc, on va parler de nourriture, on va parler de médication, on va parler de soins, mais on va pas forcément parler de soins de conscience et d'âme. C'est celui qui m'intéresse le plus loin, personnellement. Parce que justement, beaucoup de maladies sont liées du fait de ne pas prendre conscience que son âme doit être soignée et nettoyée. Beaucoup de maladies viennent de cela. Par exemple, le cancer, on m'a appris que, je dis bien on m'a appris, que le cancer serait lié au niveau de basse conscience. À voir si c'est juste ou pas. J'ai pas assez de recul pour pouvoir vous le dire, mais je reconnais que tous ceux que je connais qui ont un cancer, en effet, ils sont de basse conscience. En effet. C'est juste. Mais ce qui est juste aujourd'hui peut ne pas l'être demain, peut-être. À voir, comme je le disais. Donc, je voulais rebondir là-dessus parce que ça fait partie des soins aussi. Il n'y a pas que le corps, le physique, il y a aussi l'âme et conscience qui est un travail, à mon avis, beaucoup plus complexe, mais aussi beaucoup plus intéressant, nourrissant, très riche, en plein de choses. Ça apporte tellement que, personnellement, j'ai presque hâte de savoir qu'est-ce que je vais encore apprendre. Moi, c'est mon truc de me dire, ouais, j'ai découvert ça, ouais, j'arrive à faire ça, super, je suis contente. Ça va être quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de plus? Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter de plus? Etc. etc. Moi, ça me tripe. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me tripe vraiment. C'est mon point de vue. Hein. Mais j'ai besoin de ça aussi. Voilà, c'était la deuxième partie. Maintenant, on arrive à la troisième partie. Alors là, c'est un peu plus light et un peu plus pushy, peut-être. Je ne sais pas, on va voir. J'ai vu que les cheminots et les éboueurs, ils prévoient une grève au JO à Paris. Ça va changer quoi? Sérieux? Ça va changer quoi? Paris, la poubelle du monde. Donc déjà, le titre, la poubelle du monde. Qui ramasse ou qui ramasse pas les poubelles? Enfin, ça, on en restera toujours autant. Ça change rien. Et les transports en commun français, ça fait des années qu'on sait que c'est le bordel, c'est jamais à l'heure, c'est pas l'exemple norvégien, par exemple. Alors, l'exemple norvégien, oh là là, prenez le train en Norvège, déjeuner ou dîner dans le train,
Vous allez voir, c'est un régal, c'est un régal. Un vrai restaurant, c'est exceptionnel, avec des vrais couverts, on vous sert. C'est assez exceptionnel. En plus, des vues sur les fjords et tout. Moi, j'ai vécu ça. C'est exceptionnel. Là, on se dit vraiment, faut voyager hein, pour se rendre compte à quel point on est mauvais. Hein. Je vous assure, faut voyager. On a peut-être le TGV. Hein. Mais alors, c'est tout ce qu'on a. Hein. Parce qu'à côté, la manœuvre, tout ça. Alors, qu'il fasse ou qu'il fasse pas grève, je suis pas sûre que ça change grand-chose en l'état actuel des choses de notre poubelle, concernant notre poubelle de Paris. Franchement. Alors moi, ça m'a drôlement fait rire aussi. Attends, mais... non, vraiment, allez-y les gars. Non mais allez-y, parce que à la limite, ça peut être intéressant de voir si vraiment on peut voir une différence. Mais je ne suis pas sûre du tout. Pas du tout. Petite information que je voulais vous faire partager aussi, c'est vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'espaces de plus de 1000 mètres carrés qui sont couverts de photovoltaïque, de plaques photovoltaïques. C'est une loi, semble-t-il, qui fait que toute surface au-delà de 1000 mètres carrés doit être couverte de photovoltaïque, des panneaux solaires. Panneaux solaires. Vous savez que j'habite à Cognac. M'arrive d'aller dans des endroits à gauche, notamment Gamme Vert à Château Bernard, c'est contre Cognac. Et moi, j'ai connu Gamme Vert avec un parking, avec des pins magnifiques, de toute beauté, vieux, mais toujours vivants et toujours être capable de donner encore beaucoup de vie. Ils ont coupé pour foutre ces parkings à la con. Alors certes, il y avait un bout de parking qui était abîmé par les racines. On s'en foutait, on se garait dessous pour se mettre à l'ombre. On s'en foutait, on s'adaptait, quoi, c'est tout. Ils ont tout dézingué. C'est moche. Je ne suis pas sûre qu'on ait moins chaud dessous l'été. J'en suis pas certaine. Quand la chaleur, elle viendra cette année. Vous l'avez compris, partout, on a des temps complètement démontés. Les arbres, ça apporte énormément. Alors, le CO2, l'ombre, avec le vent, la fraîcheur, sans compter l'esthétisme, tout ce qu'un arbre, qui est un vivant, donc qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Pas tout, hein, absolument tout. Je comprends pas qu'on mette ces trucs en acier partout. Je dis pas qu'il en faut pas. Même si le photovoltaïque, c'est le moins pire, entre guillemets, de ce truc écologique stupide, mais franchement, j'arrive pas à comprendre qu'on détruise la nature pour mettre ses horreurs. J'arrive pas. Je trouve ça scandaleux. Il m'arrive d'aller encore à Gamme Vert parce qu'ils ont des bons produits. Ça m'arrive d'y aller, mais j'ai mal au cœur à chaque fois que je pense à ces arbres. À chaque fois, j'y pense. En plus, c'était vraiment beau, il y avait tout, quoi. Il y avait rien à dire. Et je leur ai dit d'ailleurs, quand ils ont dézingué, du reste, c'est pas eux qui l'ont fait. C'est la boutique à côté qui est propriétaire du parking qui a fait ça. J'y vais jamais dans cette boutique. Observez et voyez comment vous pouvez faire pour éviter ce genre de choses, mais ils sont tellement idiots. Ils ont passé ça comme une loi. Tu peux même plus faire ce que tu veux chez toi. Mais c'est pas possible, des choses pareilles. C'est incroyable que les gens suivent des lois folles. Jetez-vous du pont, c'est écrit dans une loi, ils vont le faire. Pour détruire le vivant. Et quand il n'y aura plus de vivant après, qu'est-ce qui va se passer? On sera comme les humides, dans le gris? Totalement dans le gris? Et malheureux? Et on cherchera une planète où il y a encore du vert? Et du bleu? À ce propos, on aurait trouvé l'équivalent de tous les océans puissance, je crois 5, sous la Terre. J'ai vu passer ça, mais j'ai pas vu les preuves. Bon, c'est intéressant. Montrez-nous. Montrez-nous, parce que moi, j'ai pas vu les preuves. Donc, je les attends. Et c'est vachement intéressant. Ok, super. On va encore apprendre quelque chose. Alors, le climat. Là, alors, tout ce qui se passe, tout ça de la planète, hein, les inondations, surtout les inondations. Le sable du Sahara, on vient d'en parler. Mais ils font un concours. En géo-ingénierie, ils font un concours ou quoi, là? Parce que là, déjà, rien qu'on voit, nous, depuis le mois d'octobre, quand même, on n'a quasiment pas vu le soleil, alors que c'est un département où il y a énormément de soleil. Trop de pluie, beaucoup trop de pluie. Bon, là, les nappes phréatiques, s'ils disent quelque chose dans le coin, on en a pour 15 ans, donc je pense qu'ils vont tous se faire jeter dans le mur, c'est clair. J'ai entendu les Charentais, même les Picouzés, qui ont dit, ah non, non, mais celui qui nous parle de nappes phréatiques vide, là, je crois que là, je le colle au mur, donc
Ça, c'est clair. Mais sincèrement, ils font un concours ou quoi là? Parce que là, c'est partout, partout. Hein, même les chameaux qui marchent dans l'eau, ils n'ont jamais vu ça, les pauvres chameaux, pauvres bestioles. Donc, ils font quoi là? C'est un concours du meilleur jeu en géo-ingénierie pour voir comment je détruis mon pays ou sur un autre pays. Ils sont en train de faire un jeu là-haut, là, comme on. Je sais pas moi, on fait un pari qui est-ce qui a le plus de morts et le plus de destruction? Dubaï semblerait inquiété au regard de cela. Donc, ça a l'air d'aller un peu mieux, semble-t-il, mais à voir, à suivre. C'est, enfin, ils jouent, ils font joujou là. Enfin, c'est comme avec le reste, à la limite. Ça serait pas du tout surprenant. Oh tiens, j'ai un nouveau jeu, je vais voir ce que ça donne. Pouf, j'appuie sur le bouton et vas-y. Ah bah tiens, ah bah il y a des morts. Oui, on s'en fout parce qu'il nous faut des morts. Bon, ça détruit la nature. C'est pas grave, on va reconstruire comme on veut. Enfin, faut des buildings partout en intelligence artificielle. C'est top. Quand les loups se tuent entre eux, que reste-t-il? Un seul loup? Autre information, avec une institutrice de mes clientes, elle me disait, je dois rentrer toutes les informations pour les notations des élèves, des tout petits, maternelles, hein, dans un logiciel. Donc en gros, on est fliqué depuis tout petit. Les enfants sont fliqués depuis tout petit. Puisque tout ce que vous rentrez par informatique, tout ce que vous mettez reste à vie. À moins que vous détruisiez le logiciel, mais avec toutes les traces et tout, ça va être compliqué. C'est figé, ça reste. Donc en gros, dès tout petit, par la notation des professeurs, enfin des instituteurs, l'enfant est déjà fliqué. Donc si l'enfant est pris en grippe par l'instituteur, il est fliqué en version prise en grippe. Comme les instituteurs, beaucoup n'ont pas de discernement, et notamment regarde NSense, hein, qui est en train de bien se mettre en place, les parents commencent à bien se battre là-dessus, et c'est tant mieux. Alors, évidemment, les bobos, non, ça, au contraire, hein, mais bon, de toute façon, ces gens-là, ils seront récupérables, ils ne seront pas dans les. En 2000, dans 4 ans, ils ne seront pas avec nous, ça c'est sûr. Hein. Mais les autres qu'on pourrait récupérer, il faut absolument que les parents se battent au regard de ça. On a fait une émission avec le docteur Frédéric Goerger, qui est spécialisé sur le sujet, qui est sur ma chaîne YouTube, qui a été très peu vue. C'est bien dommage parce qu'on a bien parlé et de Evras et de Ensense et des incidences sur les familles, les enfants et les familles. C'est grave que des fois. Ah, pardon, excusez-moi. J'ai un petit rhume. Ce qui fait tellement chaud que voilà, j'ai un petit rhume. Rien de grave, mais voilà. Je trouve grave que les gens préfèrent s'instruire sur des actualités qui sont redondantes, comme je le disais tout à l'heure, plutôt que de s'instruire sur justement ce qui peuvent les concerner, mais en même temps des sujets qui ne sont pas trop mis en avant. Alors, il y en a qui le font, bien sûr, mais pas tant que ça. Et après, ils s'étonnent en se disant, ah, oh, mais oui, il y a ça, on ne le savait pas. Ben, c'est pas faute d'avoir prévenu. Je suis peut-être une des seules parfois à prévenir sur certains sujets, mais je ne dois pas être quand même toute seule. Faut pas exagérer. Et c'est dommage. C'est très dommage parce que ça vous aurait évité des déboires. Je fais des émissions, moi, c'est toujours recherché. Toutes mes émissions, c'est pas pour être creux, il y a certaines redites, il peut y en avoir des redites. Mais globalement, c'est toujours recherché. Je fais partie de ces gens-là. Il y a quelques personnes comme moi qui sont dans cet état d'esprit et qui ne le font que quand c'est nécessaire. Et si je le fais, c'est pour vous, parce que moi, je suis au courant. Donc si je le fais pour vous, vous ne le regardez pas, faudra pas dire après que vous n'étiez pas prévenu. C'est dommage. Parce que là, il s'agit de nos enfants quand même. Parce que tous les enfants, on doit les protéger, pas que les nôtres sortis de notre ventre. Ou de familles recomposées ou adoptées. Hein. Je veux dire qu'ils soient vraiment dans notre giron. Donc voilà, il faut être vigilant avec ce qui se passe de pouvoir nourrir les logiciels en mettant parfois n'importe quoi sur les enfants, en plus noter des petits bouts, comme a dit cette institutrice, c'est quand même juste n'importe quoi. Comment on peut noter des petits bouts, quoi? Enfin, c'est hallucinant de ranger dans des cases déjà tout petits, ils sont même pas formés. Ils sont même pas formés.
Ils découvrent la vie à peine, on les range déjà dans des cases, vous vous rendez compte? Mais comment, enfin, quelle société, mais même quels parents peuvent accepter ça? Quels parents, enfin, moi, j'accepterais jamais un truc pareil. Qui peut faire ça? Alors, merci aussi à l'envoi, parce qu'on m'envoie des informations des fois qui sont très pertinentes. Le LGBT rentre dans le recrutement. Si, 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 si. Des entreprises qui ont signé la charte de soutien au LGBT, plus, plus, machin, QXYZ, hein. Capgemini, ah, c'est fait. Ils l'ont mis en évidence. Ils ont signé cette charte et ils mettent bien en évidence qu'ils sont prêts à recruter des LGBT, etc. Parce que ça existait peut-être pas avant, hein, je sais pas. Mais donc maintenant, il faut qu'on le mette en évidence et en avant. Donc qu'on produise encore plus de LGBT, parce qu'il n'y en avait que 1% sur la planète avant, je le réitère. Il compte peut-être arriver à 10% en quoi, 2-3 ans. Eh ben bonjour les risques psychosociaux. Hein. Alors là, bonjour, comment ça va se passer dans le monde de l'entreprise? Le racisme, les conflits divers et variés pour et l'acceptation et de la personne qui estimera qu'il faut l'accepter encore plus, on va presque le traiter pire qu'un handicapé. Ça va être juste conflictuel à mort. Conflictuel à mort. Alors ça ne veut pas dire qu'un LGBT n'a pas le droit de travailler. Hein. De toute façon, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais toujours pareil, quand on met en exergue quelque chose, ben les autres derrière, ils ne savent plus comment se comporter. Est-ce qu'ils vont être passés pour racistes, ils vont se dire on est raciste, on n'est pas LGBT, comment on peut parler à cette personne, etc., etc. Ça va créer des vrais conflits. Au lieu de dire que c'est une intégration, alors qu'avant, j'imagine qu'il y a des gens qui ont embauché des LGBT sans se poser des questions. C'est comme une personne de couleur ou une personne religieuse ou ce qui était comme ça normalement. Comme, enfin, je veux dire, la vraie façon d'intégrer les gens et d'accepter les autres, c'est d'être dans la diversité justement, mais en respectant que chacun puisse être différent, sans imposer quelque chose. Et là, on impose à nouveau dans le recrutement le LGBT. Et c'est des recrutements qui risquent de passer en priorité au regard d'autres personnes, peut-être plus méritants. C'est un vrai bins qui est en train de se mettre en place dans le monde de l'entreprise. Bon, Capgemini. Tout est dit. Il y en a sûrement d'autres, hein, à mon avis. Si vous creusez dans tous les grands comptes comme ça, à mon avis, à l'appel. Alors, je pense que tout le monde a vu cette magnifique vidéo. Alors moi, j'ai pas regardé. J'ai regardé celle de Nicolas Bouvier. Voilà. Je ne citerai pas de nom. D'abord parce que je l'ai trouvé riche et très intéressante cette vidéo. Elle est vraiment très bien construite avec Sylvie Charles. Madame Sylvie Charles, bravo pour votre travail, Madame Sylvie Charles. Excellent travail. Alors j'ai vu les commentaires, j'ai entendu les gens qui me l'envoyaient en X exemplaires. Merci. Oh là là, ces révélations, etc., etc. Ouais. Et non. Oui, il y a des révélations, surtout dans des détails. C'est un vrai travail d'investigation qui est très bien fait. Un vrai de vrai, celui-là. Pour le coup, c'est peut-être le meilleur travail d'investigation que j'ai vu jusqu'à présent. D'une femme posée, centrée, structurée, claire, bien dans sa tête, professionnelle. Elle est nickel, cette Sylvie Charles. Elle est parfaite. Et elle a fait un travail exceptionnel. Il n'y a pas à dire. En équipe, certainement, mais qu'importe. De toute façon, c'est toujours des travails d'équipe, ce genre de choses. C'est obligé, parce qu'il faut d'autres cerveaux pour réfléchir ou apporter des nouvelles compétences. C'est le premier vrai bon travail d'investigation que je vois depuis un moment. Depuis des années, je dirais même. Public, rendu public. Mais pas, je ne suis pas si étonnée que ça, encore une fois. Alors, si vous êtes étonnée par ces révélations-là, je vais vous dire une chose. Accrochez-vous pour ce qui va venir. Mais accrochez-vous. Ça va être pire. J'ai constaté dans le droit de réponse que j'ai fait concernant l'affaire 2013 à Agen avec Profession Gendarme et Tribune Libre, qui est également sur ma chaîne YouTube,
J'ai eu énormément de messages, comme je l'avais dit, mais beaucoup d'étonnement. Beaucoup de gens me disaient, mais comment c'est possible? Comment on peut faire ça? Déjà, ça vous surprenait. Alors, on en met une couche bien au-dessus encore avec Civil Charme, parce que là, c'est d'un niveau planétaire, de tout c'est corrompu. Mais il y a d'autres choses qui vont tomber. Il y a d'autres choses qui vont tomber, qui sont encore pires à découvrir. Je n'étais pas au courant de tout concernant l'affaire Civil Charme, mais de certaines choses qui ne m'ont pas surprise. Elle détient les preuves. Et il y a d'autres choses sur lesquelles je suis également au courant, mais je ne détiens pas les preuves. Donc, excusez-moi. Donc, je ne peux pas en dire plus là-dessus, mais accrochez-vous. Si vous êtes déjà étonné par ça, ce qui me surprend d'ailleurs, parce qu'il y a des choses qui sont quand même sous notre nez. Comment c'est possible de pomper autant d'impôts pour des trucs où on ne voit même pas la couleur? Je l'ai déjà dit en plus dans une vidéo, on ne peut même plus calculer. Même les gens aux impôts ne peuvent même plus calculer le montant des impôts. Enfin, bon, je dis ça, je dis rien, encore une fois. En tout cas, c'est un excellent travail, y compris bien mené par Nicolas. Bravo. Alors, Robert Ménard envoie sa fille à la guerre. Il y a un tweet qui est passé. Où il, pour l'effort de guerre, il est prêt à envoyer sa fille. Et il est prêt à ce qu'elle meure. Attention, il l'a écrit. Il est prêt à ce qu'elle meure. Alors moi, je serais la fille, à moins d'être vraiment une complètement embobinée, qu'elle encense son père, qu'elle soit embobinée par son père ou qu'elle soit en eau totale. Admiration, voire abnégation vis-à-vis du père, bah, je porterai plainte hein, contre le père là. Non mais attends, je ne suis pas du tout pour qu'on porte plainte contre les parents, mais alors là, franchement, il y a matière. Hein. Il y a une grosse matière. Mais attends, le mec il met ça là, publiquement, et il envoie vraiment sa fille apparemment là-bas, en Ukraine. Donc pro-nazi, forcément. Mais derrière, quel père ferait ça? Quel père enverrait son propre enfant se faire tuer? Mais on va où là? Non mais là franchement, il y a une question quand même à se poser. Que font les associations de protection de l'enfance, même si elle est adulte? Que font-elles? Cette personne réagit sur ce truc-là, mais vous, monsieur Ménard, mais vous avez des filles qui se touchent, vous avez combien de doses ou... Ça va pas là? Non, mais comment peut-on écrire publiquement une chose pareille et en plus le faire? J'enverrai ma propre fille ou j'envoie. Pardon? Décidément? C'est innommable, c'est innommable. Alors, l'exemple de la paternité, elle est là. Donc, c'est l'exemple que prône ce. Je crois que c'est un politicien, ce Robert Ménard de mémoire, qui prône pour que les familles suivent cet exemple. Pardon, décidément, ça m'émeut tellement. Cet exemple-là, comment est-ce possible d'oser envoyer son enfant se faire tuer? C'est vraiment votre fille? Vous la détestez. Mais moi qui n'ai plus de relation avec ma fille et qui ne veux plus en avoir, jamais je lui souhaiterais du mal. Mais bien au contraire, qu'elle soit heureuse, épanouie. Et pour tous les enfants avec qui je n'ai pas d'accroche, qui ne sont pas les miens. Ou tous les enfants de la Terre, on ne souhaite jamais de mal à un enfant. Mais déjà, un être humain, on ne devrait pas le faire. Ça, c'est clair. Mais sa chair. Mais là, je crois que c'est écrire une chose pareille, mais. Enfin, j'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots parce que c'est totalement inhumain. Je n'imagine pas un parent oser faire ça. À moins d'être complètement, enfin, t'es complètement ch'tarbé, t'as les fils qui se touchent, t'es un assassin. C'est tout ce qu'on est dans ces cas-là. Parce que pour moi, c'est de l'assassinat caractérisé. Déguisé, certes, mais caractérisé. Surtout pour une cause qui ne nous concerne pas. Et pro-nazi. Pour un jour, on va finir par vraiment dire toute la vérité, y compris dans des mainstreams, même s'ils sont encore plus, si encore plus vivants à ce moment-là, de dire que ce sont des nazis. Comment est-ce possible? Alors certes, ça lui appartient, certes, ça appartient à la fille de prendre ces décisions, ok, mais publiquement, c'est mis en avant pour manipuler des esprits faibles, mais des esprits. Quel parent peut oser cela? Mon fils, tu pars à la guerre, si tu reviens pas, c'est pas grave. Ma fille, pareil. Alors que des tas de parents, des tas de mères, des tas de... Surtout les mères disent, je veux pas envoyer mon enfant à la guerre.
J'hallucine là, enfin, je n'ai pas de mots. C'est quelle personne humaine, sensée, ayant du cœur, peut oser écrire une chose pareille? Alors, il faudrait que je regarde son profil, je ne l'ai pas vu. Ça se trouve, c'est un programme lui aussi. Hein. Mais là, non. Enfin, normalement, le mec, c'est dans le dos. Hein. Mais direct. Direct. Il ne faut même pas chercher à comprendre. Voilà, sur ces bonnes paroles. On avance. C'est sûr qu'on avance. Alors, je sais qu'on n'avance pas comme certains voudraient. On ne peut pas recréer quelque chose de nouveau sur quelque chose d'instable, qui n'a pas été nettoyé. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas vous faire l'idée, vous imaginer que vous construisez une maison sur du sable mouvant. Ben, s'il y a du sable mouvant, il faut assainir le territoire. S'il y a déjà une maison construite sur le sable mouvant mais qui ne tient pas la route, eh bien, il faut vérifier comment cette maison peut tenir la route. Donc, il faut du temps. Il faut évaluer, analyser, défaire, refaire, réfléchir, tout virer, j'en sais rien. Changer de projet, je ne sais pas. Mais selon les cas, en fait, toujours est-il, c'est qu'on ne peut pas faire quelque chose de bien sur quelque chose qui n'est pas sain. Donc, le chaos est obligatoire, avec des pertes obligatoires à limiter au maximum, de façon à reconstruire un monde qui nous correspond beaucoup plus. On a le droit de rêver, on a le droit d'y croire, et on a aussi le pouvoir de tout mettre en place pour que ça se fasse. Ceux qui ne font rien et qui disent que ce monde ne se fait pas, bah, il fallait vous bouger les fesses. Parce que nous, au moins, on aura essayé. On n'y arrivera peut-être pas. On verra bien. Mais on fait tout pour. On donne le maximum pour. Et ceux qui ne font rien et qui critiquent, et qui disent, si un jour ils critiquent en disant ça n'a pas arrivé, quoi, ça, t'étais où à ce moment-là? T'as fait quoi? Bon, alors tais-toi. Si t'as rien fait, tu te tais. On est toujours dans l'œil du cyclone. Ça, on n'en est pas encore sorti. Je pense pas qu'on va en sortir demain. Ça va durer encore quelques temps. On va le voir, de toute façon. Mais c'est toujours à notre avantage, et de plus en plus à notre avantage. Donc ça brasse, ça nettoie, ça tombe. Parfois, on croit que c'est des belles personnes qui tombent, mais en fait, non. Ça nettoie, grave. On gagne du terrain. C'est peut-être pas grand-chose, mais on gagne du terrain. Les perdants s'activent beaucoup plus. Ceux qui sont dans la cabale, etc. On l'appelle comme on veut, hein, toutes ces pourritures. Ils perdent de plus en plus. Donc, ils en rajoutent encore. Je l'ai déjà dit, je le redis. Mais ils commettent de plus en plus d'erreurs. Des propos comme Ménard peuvent être une erreur. Des propos comme Macouille peuvent être des erreurs. De plus en plus d'erreurs. Mais ils sont aussi de plus en plus lâchés, moins soutenus. Parce que l'évidence est telle qu'à un moment donné, il n'y a plus le choix. D'accord? Et, comme on n'est pas sorti de l'œil du cyclone, le pire est encore devant nous. Il faut encore s'accrocher. Ça va encore durer un certain temps. Mon avis, ça devrait se calmer à la fin de l'année, mais je peux me tromper. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Comme... En tout cas, ils s'essoufflent grave, de chez grave, ils n'y arrivent plus. L'Ukraine, ça fait un moment que ça aurait dû être plié, mais toujours pareil, ça se plie uniquement à cause des civils, ou grâce aux civils, peu importe. C'est plus lent, logique. Quand l'Ukraine sera arrêtée, il y a des chances peut-être derrière que d'autres s'arrêtent aussi, d'autres conflits. Parce qu'il y a beaucoup de conflits. Hein. On parle que de deux quasiment. Moi, je parle jamais de la Palestine et Gaza parce que c'est trop compliqué. Avec mon ami libanais lui-même qui est né là-bas, il le dit aussi. Il dit les gens qui s'aventurent là-dessus. Je vous l'ai déjà dit, donc je n'en parle pas. Je suis pas. C'est un sujet qui est vraiment trop complexe pour moi et qui m'intéresse peu, sauf toutes ces pertes de vie, hein, bien sûr. Toutes ces. Je ne suis pas insensible. Les élections européennes arrivent bientôt. Je ne voterai pas. Je vous l'ai dit, je ne vote plus depuis longtemps. Mais j'ai juste un mot à vous dire. L'élu est représentatif des personnes qui ont voté pour lui afin de mettre en application précise ce pourquoi il a été élu, ce pourquoi les gens ont cru en eux. Est-ce que ça a déjà été le cas jusqu'à présent? Bien sûr que non. Et si on remonte à mes robes, comme dirait Coluche,
je ne sais pas depuis quand on a eu un politique qui appliquait vraiment et qui a fait vraiment. Certainement avant Mitterrand, mais j'en sais rien. J'étais trop jeune pour le savoir. Ces élus-là cherchent à avoir un poste pour ceux qui peuvent avoir une élection légitime. Alors qu'on sait que c'est truqué. Même si, semblerait-il, on nous donne très outsider la Macronie, c'est jamais ce qui peut se passer. En même temps, les élections européennes, est-ce que c'est important pour lui? Je t'en sais rien. Un élu se doit de protéger son peuple en priorité. La protection des siens. Rappelez-vous-le. Il se doit de lui trouver de quoi se nourrir, se sustenter, donc un travail, puisqu'on est dans une société où il faut travailler et être rémunéré. Et bien d'autres choses encore, la santé et ainsi de suite. Je donne juste ces deux éléments-là pour vous faire réfléchir avant d'aller voter. On ne tient pas compte des votes blancs en France, à tort. Certes, ne pas voter, c'est donner une voix à quelqu'un d'autre, je suis d'accord avec vous. Mais voter, c'est aussi donner son consentement au système. Moi, je ne le donnerai pas. Je sais très bien qu'il y a plein de gens qui incitent les personnes à voter. Est-ce qu'il y a des bons candidats? Est-ce qu'il y a des bons partis? Je n'en sais rien. Je n'ai pas regardé. Je regarderai les présidentielles. Si d'ici là, il y a de quoi faire. Peut-être, je vous referai encore une émission. Mais là, d'ici là, non. Parce que, de toute façon, dès qu'on se met en politique, énergétiquement, on est toujours dans le même système. Qui que ce soit se mette en politique, c'est une façon de rester dans le système. Après, il y a des éléments d'implication, je dirais, sociale. Par exemple, épauler un maire ou être maire, un truc comme ça. Si on n'a pas d'étiquette et qu'on s'occupe juste de son petit village ou de sa petite ville ou j'en sais rien. Je pense qu'il y a des exceptions comme celle-ci qui disent que on peut entrer en politique juste pour une action précise, une action, essayer de contrecarrer d'autres actions. Sans rentrer en politique, sans avoir d'étiquette politique. Bon, je reste quand même assez dubitative sur le côté énergétique. Je fais partie des gens qui estiment qu'ils ont besoin de personne pour être dirigé dans la vie. Que bien sûr, il faut faire attention. Bien sûr, on peut nous dire là, c'est interdit. Bien sûr, pour nous apprendre de pas faire ceci, etc. Tout ça, on est d'accord. Mais sans forcément avoir quelqu'un de pyramidal qui nous dicte nos choix de vie, notre façon de vivre, ce qu'on doit faire, etc. Vous voyez bien, ça devient de plus en plus lourd, on peut même plus respirer. C'est de pire en pire. Donc, c'est fait exprès. Donc, je pense que la politique n'est pas, à mon sens, une solution, une réponse à ce que l'on veut faire, en tout cas, des gens comme moi. Et probablement vous, puisque vous m'écoutez. C'est mon opinion. Faites ce que vous voulez, hein, vous êtes libre, chacun. Bon, de toute façon, tout ce que je dis n'engage que moi. Je ne suis pas là pour vous dire vous devez faire. C'est pas du tout mon truc. Je vous fais juste réfléchir. Nous terminons cette émission ainsi. On vous remercie encore pour votre fidélité et votre écoute. Je vous attends pour les prochaines émissions, pour les formations aussi que je fais de groupe, pour ceux qui veulent devenir Padawan, donc les futurs profilers ou analystes comportementaux. Ou le coaching, je suis toujours là, je réponds le plus possible à tous vos messages. Je vous remercie de me les envoyer du reste et j'essaye d'être le plus rapide et réactif possible, sachant que certains attendent des réponses des week-ends. Si vous me permettez de temps à autre, je me repose un petit peu, bien qu'aujourd'hui nous soyons dimanche. Je vous dis à très bientôt et justement très bon dimanche pour ceux qui m'écoutent rapidement ou très bonne semaine si je poste la vidéo un peu plus tard. En tout cas, bonne journée ou bonne soirée et à bientôt.